Oui, c'est un peu notre fil rouge, il faut toujours en trouver un. Notre fil rouge, c'est rééquilibrer le discours sur l'Église catholique par rapport à la diabolisation systématique qui est faite de l'Église, notamment par le pouvoir républicain, c'est-à-dire, on va dire, honnêtement, judéo-maçonnique. Hein. Voilà. Donc là, c'est pas Philippe Prévost nous parle non pas de l'attaque de l'extérieur de l'Église, mais je dirais de sa destruction par l'intérieur, à travers sa théorie des trois ralliements, qui rejoint d'ailleurs la mienne, sans que je sache au départ qu'on tombait d'accord. Donc comprendre l'Empire, je parlais des trois ralliements successifs de l'Église. Et donc lui, il parle de 1905, première soumission, acceptation de la République qui punit l'Église pour sa soumission à chaque fois. La doctrine du ralliement est née en 1892, lorsque Léon XIII demanda aux catholiques, qui dans leur grande majorité étaient monarchistes, de devenir républicains, pour des raisons électoralistes qu'ils pensaient favorables à l'institution. Mais l'enfer étant pavé de bonnes intentions, cette politique aboutit à la loi de 1905 séparant l'Église et l'État avec les suites que l'on connaît. Car la République n'était pas neutre, elle était laïque, on pourrait dire laïciste, naturaliste, maçonnique et anticatholique. Telle était l'idéologie à laquelle les catholiques étaient conviés à se rallier, et c'est en cela que consistait la véritable révolution. Les chrétiens, au nom de Dieu, devaient être soumis en tout point à un pouvoir qui lui était radicalement hostile. Après, c'est la deuxième soumission, c'est quelque chose de dramatique qui est l'excommunication de l'action française par la papauté. Vous savez très bien que théoriquement, l'action française a été condamnée pour des raisons prétendument religieuses. Mais le bon pape Pie XI n'a jamais été capable de dire quelles étaient ses raisons. Ça a donc été une condamnation politique. Première raison. Évidemment, c'est obliger l'action française à s'aligner sur la politique de Briand, qui nous a menés à 1940. Deuxième raison, permettre à l'action catholique de prendre son essor. Puis troisième raison, qui nous intéresse directement, c'est obliger les derniers catholiques d'action française, qui étaient monarchistes par définition, à se rallier à la République. Au nom du respect des valeurs de la République toujours et de la République française. Et le troisième ralliement, qui est le ralliement, on va dire, définitif et le plus violent, sachant que les autres ralliements amenés à celui-là, qui est Vatican II. Pour 500 millions de catholiques, c'est l'événement du siècle qui a commencé à Rome avec la procession vers la basilique Saint-Pierre de 2400 pères de l'Église. Le 11 octobre 1962 s'ouvre le Concile Vatican II, le premier concile de l'Église depuis près d'un siècle. Cette procession exceptionnelle préludait à l'ouverture par le pape Jean XXIII du Concile œcuménique. Où, on va dire sur Vatican II en gros, l'Église catholique pratiquement renonce à son dogme et renonce pratiquement au Christ pour devenir un auxiliaire des droits de l'homme. Condamnée par les papes au XIXe siècle, la liberté religieuse est reconnue par le Concile Vatican II. Elle accorde désormais à tout homme le droit de professer ouvertement ce que lui dicte sa conscience. Le Concile va également profondément modifier le rapport de l'Église avec les autres religions. Désormais, ceux qui se seront séparés de l'Église sont considérés comme des frères dans la foi. Donc un auxiliaire de l'idéologie laïcarde et maçonnique, et ce qui amène, in fine, on va dire à la démission, par exemple, d'un pape comme Benoît XVI qui essayait encore de faire un peu de la théologie authentiquement chrétienne et catholique, bien qu'il ait participé à Vatican II du mauvais côté d'ailleurs, mais ça veut dire peut-être qu'il avait réfléchi entre-temps, et qui a fini par démissionner, et qui a été remplacé par un espèce de super Jean-Paul II qui s'appelle le pape François, qui lui
se soumet à ce que Pierre Hilard appelle le noachisme, c'est-à-dire accepte que l'Église catholique ne soit plus qu'un auxiliaire des droits de l'homme universel. C'était une visite très attendue dans l'île grecque de Lesbos ce samedi. Le pape a appelé le monde et l'Europe à répondre à la crise des migrants de façon digne et humaine. L'Europe est la patrie des droits de l'homme. Et quiconque pose le pied sur le sol européen le sent et s'attend à ce que ses droits soient respectés et défendus. Travaille à travers ces petites critiques lénifiantes à la marche du Nouvel Ordre mondial. Que non vanno discriminati, che devono essere respettati, accompagnati pastoralmente. La cultura è cambiata e grazie a Dio. E i cristiani dobbiamo chiedere tante scuse, non solo su questo. Perdono, non solo scuse. Et finit par aller se prosterner à Auschwitz. Quand ce n'est pas baiser la main, lui qui est le vicaire de plus d'un milliard de croyants, de baiser la bague en cachant sa croix pectorale du grand rabbin de je ne sais pas trop quoi, qui représente au maximum 15 millions de personnes sur Terre. Voilà. Donc, et la thèse de Philippe Prévost, c'est de dire que ces ralliements successifs voulus par la papauté sont un suicide de l'Église, une très mauvaise stratégie. Donc ça veut dire qu'en creux, il fait l'apologie de la résistance lefébriste. 1988. Monseigneur Marcel Lefebvre sacre sans l'accord de Rome 4 évêques. Devant 10 000 fidèles, il désobéit publiquement au pape afin de poursuivre l'œuvre qu'il a fondée, la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Comment cet évêque, ancien missionnaire au Gabon, archevêque de Dakar, délégué apostolique pour toute l'Afrique francophone, supérieur de la congrégation du Saint-Esprit, en est-il arrivé à ce point de rupture ? Et qu'il faudra à un moment donné qu'il y ait un sursaut authentiquement chrétien, et que l'Église disparaîtra. Voilà. Donc comme c'est un vrai chrétien, je pense qu'il croit à ce sursaut, mais il dit que là c'est très mal barré, et que c'est de la responsabilité des élites catholiques, de la papauté et du Vatican, si on en est là aujourd'hui. Souvenons-nous que Dieu écrit toujours droit, même lorsqu'il le fait, apparemment, avec des lignes courbes. Le dogme du ralliement semble aujourd'hui triompher, mais la crise qui affecte l'Église est d'une telle profondeur que celle-ci n'a d'autre issue que de revenir sur elle-même. Comme l'a dit Nietzsche, l'avenir appartient à ceux qui auront la mémoire la plus longue. Sur ce point, l'Église est imbattable. Un jour viendra où elle se détachera du monde, mot qui n'est que l'anagramme de démon. Elle se souviendra de ses origines et elle reniera le dogme du ralliement. Elle n'a d'ailleurs pas d'autre choix, elle a le couteau sous la gorge, car Satan, à la différence de Dieu, ne fait pas de crédit. Donc ce bouquin qui s'appelle « L'Église et le ralliement » sous titre « Histoire d'une crise 1892-2000 » vaut 19 euros. Et c'est une somme, hein, il fait 565 pages, voilà.